allons visiter le musée néerlandais de plein air. Het Nederlands Open Lodge Museum. Et avec l'accent, s'il vous plaît. Ce musée se trouve dans un beau parc de 44 hectares, très boisé. L'architecture et la vie d'antan des provinces des Pays-Bas sont évoquées par quelques 80 fermes authentiques, des moulins, des ateliers, des maisons, une école, des granges, une église. Le plus charmant est celui de la région du Zaan, avec ses maisons en bois peint en vert, aux pignons gracieusement décorés. Le plan d'eau voisin rappelle le Zaan, il est franchi par un pont mobile en bois,
tout près, deux moulins, l'un à grain, l'autre servant à scier le bois. À l'intérieur de chaque bâtiment, le mobilier typique et les démonstrations artisanales diverses rendent la visite particulièrement intéressante. Le paysan lui-même fait une école, comme ça. Oui, et l'ancienne méthode en Hollande, l'autre jour, les vaches a eu de la corne et cela s'attache à la corne et la vache marche au pré et chaque matin et chaque soir quand, le paysan doit traire la vache, il prend le corps, attache la vache, le seau et avec la main et encore. Als je daar net iets onder zou komen, dus dan heb je hier een draad. En als hij daar net onder zou komen, dan zou je met wat weerbarstige vis zou dit gaan schuiven. Ja, ja. Dus hier. Ja. Ik vind het een beetje te druk hier. Success that never ends. Still
Pays-Bas, une grande place est réservée à l'éducation des enfants dans tous les domaines. Ce parc est également éducatif. En effet, vous constaterez que les vaches ont des pieds artificiels, ce qui permet aux jeunes Hollandais et Hollandaises d'apprendre à les traire afin de porter le lait à la fromagerie. Après la fromagerie, nous traversons le laboratoire chimique. Et puis, il y a aussi l'usine, avec ses cliquetis de machines, ses bruits assourdissants, sa chaudière.